Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques et je vous annonce, il va avoir de l'attaque. C'est sûr et certain, il va avoir de l'attaque parce que c'est dans un tas de branches, un gros tas de branches. Il va falloir que je sorte tout ça et je vous dis, il y a du mouvement. Il n'y a pas de piqûre, le client l'a vu avec le va-et-vient, donc ça c'est nickel, mais il va avoir de l'attaque. Donc je vais me préparer parce que c'est au fond du jardin. Donc y a un peu de marche à faire. Donc je me prépare, je prends le matériel, je me changerai là-bas. Je vais vous montrer ça dès que j'arrive. Ok, allez, à de suite. Allez Dédé, on va aller voir ça. Bon, il y a un nouveau micro sur le GoPro qui est intégré. J'espère que vous entendrez mieux. Vous me direz ça en commentaire. Allez, j'arrive au fond du jardin. Ils auraient pu se mettre même à plein d'endroits, mais ils ont choisi le tas. Bon, voilà, c'est comme ça. Attendez, je vais poser tout ça. Je m'habillerai après. Regardez, ils auraient pu s'installer dans cette cabane. Au bout, il y a une petite cabane au fond, ils auraient pu s'installer là, comme dans la vidéo avec Thibaut Inchep. Mais ils sont installés où? Je vous ai dit, un tas de bois. Et regardez-moi ce tas de bois, comment il est. Voilà, voilà le tas de bois. Vous le voyez, le tas de bois? Et je vous dis, ça tourne grave. Déjà, ils viennent me voir. Vous voyez là, il y a un petit piquet rouge ici là, et l'entrée elle est là-dedans. Mais je ne vois pas le nid, même en me penchant un peu, je ne vois pas le nid. Donc à mon avis, il va falloir que je lève, et ben automatiquement, qu'est-ce qui va se passer les Dédés? Vibration et grosse attaque. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Allez, j'ai fini de m'habiller, et je crois qu'il va y avoir un beau combat. Allez, c'est parti pour le combat. On va commencer par enlever les branches qu'il y a devant. Parce que je pense que ça c'est le propriétaire qui a essayé d'enlever des branches et il a dû voir des frelons se faire sortir mais il s'est pas fait attaquer, donc ça c'est très très important. Allez, je vais vous montrer ça. Donc ça arrive de là. Vous voyez les frelons sortir? Allez, on va essayer d'enlever ça un maximum. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. En plus, il y a un grillage. Je n'arrive pas à voir où ça sort. Pour l'instant, je ne vois rien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de frelons autour de moi. Alors, ce petit grillage m'embête un peu, mais bon, on va essayer de trouver la solution. Alors, j'essaie de repérer en même temps un maximum. Regardez-moi comment ça vole. Allez, on va continuer.
Pour l'instant, je ne trouve pas le nid. Grosse difficulté. Oh, il fait chaud là. Pas encore. Ils sont par là. Si c'est mis au milieu. Au milieu du tas, c'est chaud patate. Hein. On peut pas dire qu'il n'y a pas de nid, il y a du monde. Allez. Un petit pouce pour le courage. On lâche pas l'affaire. Allez, je vais faire une petite pause parce que là, ça vole de partout. J'ai besoin de savoir par où il rentre pour pouvoir creuser un peu plus dans toutes ces branches. Et là, bon, allez, ça y est, au bout de 20 minutes de recherche, j'ai creusé, je l'avais trouvé, mais je me suis fait attaquer. Je vais vous montrer où il est le loup. Là, c'est salopieux, j'ai été bien caché, putain de con. Allez, je vous montre le nid. Okay, je franchement, j'ai chaud. 5 minutes, plus de 20 minutes avec la combinaison à creuser. C'est un peu de fou là. Là, ils sont fatigués, là ils ont été forts. Mais bon, c'est qui gagne encore, c'est bon. Donc il ne me reste plus qu'à mettre le produit. Et basta, d'accord. Parce que là, je vais saouler. Par contre, il va falloir que les clients fassent attention. Parce que ben, là, ils sont énervés depuis 20 minutes, ils volent autour de moi. Donc il va falloir faire très attention. Allez, je mets la poudre. Et je sors de là parce que j'ai vraiment, mais vraiment envie d'enlever cette combi. Voilà, je vais vous montrer, j'ai traité le nid. Voilà, allez, il y a plein de petits points de vue. Là, j'ai mis beaucoup de poudre parce que ce que j'ai envie, c'est que dès que les frelons se rapprochent du nid, touchent la poudre vite parce que ça vole de partout. Heureusement que les voisins sont très loin parce que ça aurait été chiant sinon. Voilà. Le nid est traité, mission accomplie. J'espère que ça vous a plu. Je vais me déshabiller et je vous reprends. Chaud patate, c'était un combat chaud patate. Bien cachés ces petits frelons.
Ah, ils sont bien cachés d'habitude dans les arbustes comme ça, dans l'état de trucs. Ils se mettent vraiment, mais vraiment au bord. Là, ils sont allés chercher au fond. Ils se sont dit, longage, c'est pas loin de carbone, c'est pas loin de chez Dédé. On va bien se cacher. Mais bon, l'intervention est faite. Le nid est traité. Maintenant, il faut laisser plus qu'agir. Le client va faire attention de ne pas aller au fond du jardin. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Ça mérite un joli commentaire, un petit pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir la description. Il y a plein de petits liens qui peuvent être intéressants. Encouragez la chaîne. Allez, à très bientôt les Dédés. Quoi ? T'es pas abonné à Dédé Frelon ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.